comme ceci. Donc voici Rider de Paro Patrol, ou alors ici en français, pas de patrouille. Alors évidemment après il faut quand même travailler sur les... Voilà. Alors pour faire pas de patrouille, il va nous falloir quand même quelques ballons. Voilà, donc je vous les présente en grosso modo, des 260, des 160, des petits morceaux. Enfin pas mal de choses pour effectuer ce personnage. Donc, nous allons démarrer tout de suite par le corps. Et pour le corps, il nous faut deux ballons rouges, 260. Voilà. Donc, pas trop gonflé, vous leur laissez 5 doigts, 5-6 doigts. Et nous faisons sur chacun de ces ballons une petite boucle oreille. Et nous faisons une section de 5 doigts. 5 doigts. On rattache sur l'autre bout de l'oreille. Voilà. Et nous prenons le ballon le plus long pour faire la deuxième section. Et ça nous fait comme ça une technique bien connue hein, qui nous sert à faire pas mal de choses. Et voilà, et comme ça nous en faisons 3 sections. On assouplit un peu le ballon. On va faire une petite boule entre chaque, pas trop grosse, de façon à ce qu'elles épousent bien cette forme, pour pas qu'il y ait d'espace entre chaque. Voilà. Toujours, la même grandeur. Et une petite bulle avec l'autre ballon. Nous rejoignons les deux. Voilà. Nous prenons le ballon le plus long pour faire la deuxième partie. Comme ceci. On la passe, on enroule. Maintenant. Voilà une deuxième section. Et nous faisons la même chose par la troisième petite boule. Section de 5 doigts, petite boule à l'envers et voilà comme ça. Et nous terminons pour bien fixer du tout. Sur une petite boucle d'oreille. Voilà, le reste, on peut voilà. Nous passons ces petits morceaux. À l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir une belle finition, comme ceci. Voilà. Ça va être le corps. Ensuite, Rider, c'est comme ça qu'il s'appelle, Rider. On va lui faire ses manches, ses bras. Alors nous faisons deux petites bulles. Et nous transformons en boucle oreille. Une, voici la deuxième. Et ces deux petites boucles oreilles vont nous permettre de fixer sa main que nous allons lui faire tout à l'heure. Alors le bras, nous faisons une section de 6 doigts. Ouais, 6, 7 doigts même. 3, 7, allez. Allons-y pour 7 doigts. Et nous fixons sur une des attaches. Voilà.
Nous faisons une section blanche sur le dessus pour lui faire comme ça cette. Ceci. On revient en arrière et on fait une deuxième section. Égale à la première. Et nous fixons toujours aux boucles d'oreilles qui se trouvent sur les côtés. Voilà. Mais là, le problème, il ne faut pas une troisième section. Donc, pour éviter cela, on dégonfle cette partie en appuyant dessus. Et comme ça, on traverse. De l'autre côté. Comme ça, nous avons toujours que deux sections sur le dessus et une partie non gonflée qui traverse. Voilà. Ensuite, c'est simple. Nous faisons le deuxième bras, donc une section de 6 doigts. Oups. Après de 6. Et deux petites boucles oreilles. Même chose que l'autre côté, exactement. Voilà. Et nous pouvons sectionner le reste. On fait un petit nœud pour s'assurer que rien ne se dégonfle. Voilà. Et on tourne le tour pour bien fixer. Voilà, nous avons comme cela les petits bras. Alors ensuite, nous allons lui faire avec un ballon bleu 160. Nous allons lui faire ses petites manches, ses encoulures. Pareil. On fixe sur les boucles d'oreilles. Et nous faisons comme ceci. C'est petit. Donc on tourne comme ceci. Et nous faisons une petite boucle oreille. Donc ça donne cela comme ça. On tourne autour. Voilà. Ça nous fait comme ça. Avec une petite boucle d'oreille juste derrière. Alors ensuite, nous passons derrière. On fixe toujours sur la boucle oreille opposée. Et nous faisons une deuxième. Comme ça. Et une petite boucle d'oreille derrière. Voilà. Ça permet de bien fixer comme ça. Ensuite, cette partie, nous la gardons. Voilà, je dégonfle un petit peu. On fait un nœud. Et ça va nous servir à faire le bas du corps.
Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une section rouge, c'est pas très grave. On va en faire une autre. C'est le direct. On va en faire une autre. Je ne sais pas pourquoi elle est éclatée, peut-être elle est tout. Peut-être un petit peu trop tendue. C'est l'avantage des ballons, c'est qu'on peut aussi réparer. Comme ça, on fait le saut. Et je refais les sections. Voilà. C'est parti. Voilà qui est fait. Nous avons deux sections. Alors, comme je vous le disais auparavant, nous allons lui faire deux petites sections. En fait, on va. Tout ce qui vous gêne, les grands morceaux, vous passez à l'intérieur et ça ne se voit plus. Donc voici. Et cette partie bleue, nous la faisons parce qu'elle existe sur les modèles et qu'ensuite, elle va nous permettre aussi de mieux soutenir son pantalon que nous allons faire de suite. Le pantalon, un pantalon bleu 260. Et là, nous laissons cette partie comme ça, nous faisons des sections de 7 doigts. Une boucle oreille. Une toute petite bulle. Une deuxième boucle oreille. Voilà. Et la deuxième jambe égale à la première. On fait un. Voilà. Je fais cette petite bulle entre les deux, c'est pour éviter, si on n'en faisait qu'une, d'avoir les pantalons comme ça, les corps qu'il faut qu'ils soient très écartés, les jambes. Là, ça nous permet d'avoir quand même les jambes bien droites. Voilà. Et ces jambes bien droites, et ben c'est très simple, nous les mettons à l'intérieur du corps. Alors maintenant, nous allons lui faire sa tête. Donc voilà, avec ses cheveux très en hauteur, un regard très expressif, de grands yeux bien ouverts. Donc voilà. Donc pour la tête, nous allons prendre un ballon de couleur blush. Voilà. Et nous faisons une petite boucle oreille. Et les boucles oreilles, parce que justement, ça sert à faire souvent les oreilles des personnages. Et là, en l'occurrence, c'est une oreille. Nous faisons une section de 5 doigts. Et une deuxième boucle oreille. Voilà. Donc mon ballon n'en est pas assez gonflé. Donc c'est pas grave. Je le coupe. Et nous allons lui envoyer de l'air. Voilà. Parce que des sections comme ça, il va nous en falloir 4. Donc la deuxième que je fixe autour, la troisième. Et la quatrième. On enlève le reste. On fait le. On met à l'intérieur. Voilà.
Alors ensuite, nous allons lui faire ses cheveux. Alors ses cheveux, j'ai fait ça avec un ballon 160, noir, ou marron aussi, les cheveux plutôt marron. Et on va essayer de lui faire comme ça des cheveux assez hauts. Donc nous faisons comme ça des sections. Et là nous reprenons, nous faisons des sections encore. Notre bout pareil. Et le petit. Donc deux sections comme ça, avec une petite bulle à l'intérieur. Et une section comme ça sur le dessus que j'ai rajouté. Voilà. On débrouille hein, pour qu'il y ait des cheveux un petit peu en hauteur comme ça. Alors ensuite, un petit morceau de ballon 160 que j'ai raccroché à un morceau de ballon 260. Ça nous fera le cou et le nez. C'est simple, on le fixe à l'intérieur des deux sections blanches. Comme ceci. Nous allons lui faire maintenant ses petites mains. Donc c'est une section, c'est un petit bout de ballon 260 qu'on fait une boucle simplement. Donc là j'en ai une et je vais faire la deuxième. Voilà. Pas besoin d'un gros morceau. Voilà, comme ceci ça suffit. Simplement. Et comme ça, nous avons deux petites mains que nous allons accrocher aux boucles oreilles de là. On se retrouve pour les pieds et les dessins, les yeux, etc. pour terminer ce personnage. Ça a dû faire ses chaussures. C'est très simple, un ballon gris, pinch twist, on bouge l'oreille et comme ceci, en tout cas, ça nous fait un pied. On passe à l'intérieur comme ça du pied pour avoir une belle fixation. Et ça, nous avons besoin évidemment de deux pieds. Avec des petits morceaux bleus, on accroche les chaussures. Voilà. Alors notre personnage est maintenant terminé. Je le tourne comme ceci. Donc voici Rider de Paw Patrol. Ou alors ici en français, Pat Patrouille. Alors évidemment après il faut quand même travailler sur les... Voilà. C'est l'expression du personnage avec les yeux, le nez, la bouche.
Et après, peut-être, qui sait, que on va s'attaquer à ses différents compagnons, ses différents chiens qui travaillent avec lui, tout simplement. Voilà, avec Pat Patrol. Voilà, c'est lui avec toute son équipe, là. Voilà. Au revoir, notre ami. Merci de m'avoir suivi à nouveau. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à la prochaine. Merci.